Je vais dans quelques minutes laisser la parole donc à Didier Vivien, qui est un collègue de l'Université de Lille, maître de conférence donc en art plastique au sein du pôle art plastique et membre du CEAC. Didier Vivien a comme champ de recherche à la fois l'art du XXe siècle, les arts technologiques, aussi les activités industrielles et l'anthropocène, qui sont des choses qui vont être, je pense, au cœur de sa présentation. Il a aussi, c'est un spécialiste de la photographie qui a, je crois, il ne va pas me contredire, aussi une longue pratique de la photographie. Donc, pas seulement une approche théorique, mais une vraie connaissance par le faire. Rappel aussi d'ouvrages qu'il a publiés en 2017 notamment, La vie sur Terre, archéologie de la mine aux éditions locaux. Je pense que voilà, il y a des liens directs avec sa conférence. Ou encore Esthétique d'un trader en 2014 aux éditions Sens et Tonka. Et je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a tout un ensemble d'éditions d'artistes relatives à sa pratique photographique. Donc Didier, je te laisse la parole pour une trentaine de minutes. Je rappelle simplement le titre de ta présentation, Histoire vernaculaire et photographie sans auteur, l'exemplarité éditoriale du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Écoute, merci Nathalie et puis merci à l'Institut qui a maintenu contre vents et marées cette réunion. Alors je passe en partage d'écran. Alors, je vais procéder en trois temps. Je vais parler de la monumentale histoire officielle. Je parlerai ensuite des usages de la photographie et je terminerai sur cette idée de l'historicité à l'état atmosphérique. Deux mots auparavant sur le bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'est une enclave industrielle qui faisait 120 km sur 12 km de large, nichée, vous voyez, entre Lille et Arras. L'histoire de ce bassin minier est éloquente puisque l'exploitation commence en 1720. Soit 5 ans après la mort de Louis XIV. Donc, c'est une vieille histoire. Et pendant tout ce XVIIIe siècle, on peut dire que ce sont les aristocrates sur leurs terres qui essaient d'exploiter le charbon. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une crise énergétique au XVIIIe siècle. Il n'y a plus assez de bois pour alimenter les verreries et les forges. Donc, on se tourne vers le charbon pour des raisons industrielles. Ensuite, au début du XVIIIe, la machine à vapeur ayant été mise au point, il faut du charbon. Et la révolution, ce n'est pas l'exploitation du charbon parce qu'elle est très ancienne. La révolution, c'est la mise au point de la machine à vapeur. Et donc, à partir de là, les banquiers, les actionnaires prennent le contrôle un peu de la production et les premières émeutes ouvrières ont lieu vers les années 1830. Et déjà, les mineurs du Nord, puisqu'il n'y a du charbon à l'époque que dans le Valenciennois, donc dans la fameuse compagnie des mines d'Anzin, les mineurs appellent les décideurs de Paris ces messieurs de Paris. Et puis, bien évidemment, l'histoire continue et le bassin minier va connaître deux périodes épouvantables qui sont les deux guerres mondiales, tout simplement parce qu'il est sur le champ de bataille et que le charbon est le pain de l'industrie, il est aussi le pain de la guerre. Après 1946, le bassin minier, toutes les compagnies minières qui étaient donc sous régime capitaliste actionnarial vont passer sous l'autorité de l'État. De Gaulle et le Parti communiste sont bien d'accord, enfin toute la classe politique est d'accord pour nationaliser les houillères, pour moderniser l'appareil de production qui nécessitait des investissements massifs et qui seront en partie d'ailleurs financés par le plan Marshall. Voilà, donc il faut avoir à l'esprit cette histoire pour bien comprendre les usages de la photographie et le terrain de bataille idéologique qu'est ce bassin minier. Quelques chiffres. Donc, en 1960, le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, c'est 50% du charbon français, c'est 37% du coke. Je rappelle que le coke se fabrique avec le charbon, on chauffe le charbon, et avec le coke, on fait de la fonte, et avec la fonte, on fait de l'acier. C'est 7% de l'électricité, puisqu'il y avait plusieurs centrales qui carburaient au charbon dans la région. C'est 30% du goudron français, 33% du benzol, 37% de l'ammoniac, 37% des engrais azotés, 45% du méthanol, 17% de polyester, et puis en plus, 85% de la cyanamide. Tous ces produits dérivés, ça s'appelle la carbochimie, et les HBNPC, donc les houillères nationalisées, avaient une part prépondérante dans l'industrie française. Quelques chiffres éloquents, on a extrait 2,5 milliards de tonnes de charbon, on a produit 800 millions de tonnes de déchets, ce qu'on appelle tout simplement les terries, qu'on estime en gros à 350. On a eu, alors là je suis masqué, on a eu 200 fosses, 1 million de mineurs sous la terre en gros pendant toutes ces années,
220 000 salariés en 1947, c'est énorme. 67% de la production du charbon en 1930. 100 000 km de galeries sous la terre, aujourd'hui totalement inaccessibles. 14 centrales thermiques, 13 coqueries. La plus grosse catastrophe de Courrières, je vais en reparler, a fait 1099 morts. On estime, chiffre très aléatoire, à 40 000 le nombre de silicosés entre 1946 et 1990. Donc voilà un peu quelques chiffres qui nous donnent un petit peu, si vous voulez, l'ampleur de cet empire industriel dont il ne reste plus rien. Alors, des monuments, je vais en parler, il y en a. Et vous voyez un peu les valeurs donc, productivistes, honneur, travail, bonté, fidélité. Tout ça a été construit au nom du progrès, mais la contre-histoire oblige aussi à parler de sacrifice. Bien évidemment, les usages de la photographie s'inscrivent dans un champ de bataille idéologique extrêmement violent. Pourquoi ? Parce que la mort est le quotidien du mineur. Donc, je vais dessiner le paysage politique de manière assez schématique auparavant. En gros, il y avait d'un côté, je dirais, ce que j'appelle ici le capitalisme actionnarial, donc avec un discours qui relève de l'orthodoxie libérale. Ce discours qui, on va le voir, se cache ou s'affirme de manière, comment dirais-je, monumentale, eh bien, il est basé sur la célébration et son médium de prédilection, c'est le monument. En face, il y avait bien évidemment une opposition politique très très forte qui se base effectivement sur l'orthodoxie marxiste avec une contre-histoire officielle, j'oserais dire. C'est un peu un oxymore, mais bon, je pense que ça se justifie. Les mineurs, en tout cas une grande partie des mineurs, ont toujours souhaité que la machine productive soit, comment dirais-je, collectivisée, pour qu'il n'y ait plus d'actionnaires, pour qu'on puisse respecter la sécurité, parce que le premier de la mine, c'est la production, mais aussi la sécurité. Et donc, il y a eu souvent, si vous voulez, des théories d'accusation. Et le médium auquel avait recours, je dirais, l'adversité politique, c'était plutôt la théorie qui s'ancrait bien évidemment dans l'analyse de la lutte des classes de Karl Marx. Et puis, il y avait une troisième sensibilité qui, comment dirais-je, était certainement plus marginale, mais c'est la sensibilité libertaire, anarchiste, qui, elle, reposait plutôt sur des récits et aussi sur des arguments de théorie, et qui s'appuyait aussi sur Marx, mais plutôt dans ce qu'on pourrait appeler une hétérodoxie marxienne, c'est-à-dire qu'on reprenait les éléments de Marx pour analyser le capital, mais on n'adhérait pas au centralisme, si vous voulez, comment dirais-je, communiste. En fait, c'est l'opposition entre Marx et Proudhon, pour finir. Je vais vous en donner des exemples à travers des images. Alors, quant à l'histoire vernaculaire, celle qui est donc racontée par les autochtones, elle est faite de témoignages, de romans, d'art graphique, et j'ai mis art photographique entre parenthèses, art, puisque bien évidemment, il n'y avait pas de projet artistique chez ceux qui photographiaient le quotidien de leur vie. Alors, cette histoire vernaculaire se balade dans ce triangle un peu des Bermudes. Alors, j'en donne ici un exemple. On va parler de l'histoire au présent, c'est-à-dire, parce que l'histoire, bien sûr, est toujours racontée plusieurs fois, et quand on se lance une entreprise aussi folle que l'exploitation du charbon, il faut un récit. Il faut un récit pour mobiliser les consciences. Donc, c'est ce que j'appelle l'histoire au présent et ce que j'appelle la charge idéologique. Alors, l'histoire officielle, bon, c'est la propagande et la contre-propagande, d'une certaine manière. L'histoire prolétarienne libertaire, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler la contre-histoire. Alors, je dis l'histoire prolétarienne puisqu'il y a ce qu'on appelle la littérature prolétarienne, c'est-à-dire des ouvriers qui, à un moment donné, trouvent les ressources psychiques et intellectuelles pour écrire leur vie. Alors, il y a des petits livres pas très connus, mais ils existent. Et puis, l'histoire vernaculaire qui est un mélange de tout ça. Donc, on va prendre cet exemple. En 1912, une catastrophe et 79 victimes à la Clarence, dans le Pas-de-Calais. La moitié des victimes sont des mineurs qui se sont portés au secours de leurs camarades. C'est terrible. Et donc, il y a les obsèques ont lieu sur le carreau de mine. Et on voit ici Édouard Basly, député maire donc de Lens, venir prononcer la grande oraison funèbre. C'est un ancien mineur. Et on dit que c'est lui qui aurait inspiré la figure de Lantier dans le roman Germinal de Zola. Et donc, ici, on a une photographie officielle. Elle est aujourd'hui dans les collections, d'ailleurs, de la Bibliothèque nationale de France, où on voit la foule qui se presse sur le carreau. Enfin, c'est sur le plan, je dirais, purement plastique, c'est vraiment saisissant.
Et à droite, vous avez une carte postale qui est éditée par un petit éditeur local, il est de Douai, et il montre ces mineurs qui posent. Or, si on regarde bien, eh bien, sur la couronne mortuaire de droite, il est écrit « Les mineurs du Nord aux victimes du capital ». Alors que le discours de Basly est socialiste, il n'est pas communiste. Donc, c'est un discours un peu de conciliation. Et que dit-il ? Bah, il dit qu'il faut, les mineurs sont fantastiques, c'est des héros, c'est des martyrs. Il faut renforcer la sécurité et augmenter les salaires et il faut continuer la production. Voilà. Et ce petit éditeur aussi, comme tant d'autres, publie des images qui sont assez, je dirais, assez accusatrices, pourrions-nous dire, avec le jargon d'aujourd'hui. On voit, par exemple, des corps morts. Donc, on s'aperçoit que les petits éditeurs de cartes postales, en fait, font un travail que ne fait pas encore vraiment la presse à ce moment-là, puisqu'elle n'en a peut-être pas les moyens techniques. Donc, on va le voir à plusieurs reprises. La carte postale, en fond, c'est un peu une espèce de petite industrie du reportage local fait par des éditeurs indépendants, ce qui fait qu'on trouve des cartes postales qui ne vont pas dans le sens des grands discours, mais évidemment officiels. Alors ça, c'est jusqu'en 1946, et après en 1946, il y a la fameuse nationalisation, et on passe donc sous l'autorité de l'État, avec un capitalisme étatique républicain. Ceci dit, l'idéologie reste la même, c'est-à-dire le productivisme, le modernisme, le progrès. Ce que je veux dire aussi, c'est que dans cette schématisation droite, gauche, bloc libéral, bloc communiste, on va dire, ce que je dois dire, c'est que les relations humaines étaient beaucoup compliquées que ça, et que la violence des affrontements idéologiques ne doit pas nous faire oublier que les relations humaines étaient beaucoup plus ambiguës. Je discutais il y a quelques jours avec la petite fille d'un chef de, enfin Madame Dubernard, qui était donc dont son grand-père était le directeur des mines de l'Escarpelle. Elle me disait que son grand-père ne vivait pas. Dès que le téléphone sonnait, il était blanc comme un mort, parce que bien évidemment, tout le monde à la mine vivait sous l'emprise de la catastrophe et de la mort tous les jours. Ce qui fait que il y avait de la solidarité et que les oppositions idéologiques en passaient aussi par des relations d'amitié, de solidarité, dans la souffrance et dans la peine, il faut le savoir. Donc, c'était plus compliqué que ça. C'est toujours pareil, l'idéologie simplifie toujours les rapports humains. Voilà. Alors, je vous montre ici la couverture d'un dossier de presse des HBNPC. Nous sommes dans les années 50-60 et vous voyez que le graphisme renvoie au fait au constructivisme des années 20. C'est très amusant de voir comment, je dirais, dans l'usage prosaïque, eh bien, en fait, on s'inspire en fait de motifs très anciens et nous le verrons aussi dans la photographie. Alors, voici une image qui montre des militants communistes militer pour la paix, un métier, le socialisme. Nous sommes dans les années 50. Le Parti communiste est extrêmement puissant dans l'organigramme des HBNPC. Et je ne vais pas développer parce que ça serait très amusant, mais il y avait, on peut même dire d'une certaine manière que le bassin minier est quasiment une enclave, une enclave soviétique dans un pays libéral comme la France. Autre exemple plus présent, en 1974, à Liévin, il y a une catastrophe qui fait le 27 décembre 42 morts. Pardon, je parle un peu vite. C'est une catastrophe totalement inattendue parce que la mine, c'était déjà du passé à ce moment-là, d'une certaine manière. Et on voit ici deux monuments, le monument officiel et, quelques temps plus tard, le monument dressé par la commission populaire d'enquête. Et là, s'exprime ce que j'appelais tout à l'heure la sensibilité libertaire anarchiste, la commission populaire d'enquête, c'est-à-dire que la CGT, qui est le principal syndicat, dans l'entreprise, elle est très embêtée. Et pour finir, il faudra que des mineurs, de manière autonome, mènent une enquête sur les raisons de la catastrophe qui, bien sûr, aurait pu être évitée, comme toutes les catastrophes. Voilà. Je précise que ce monument de droite est sur le même site. Alors, pour parler des livres de photos, je vais d'abord parler des livres, de littérature. Donc, l'histoire vernaculaire se raconte sous la forme de témoignages, donc mineur à Bruy en Artois, un mineur nommé Bidule, la belle vie au pays noir. Et puis après, une autre histoire est écrite par les intellectuels, et c'est ce que vous avez en dessous.
Donc ici, vous avez Pierre Arre, par exemple, qui est un historien communiste et qui, pendant le drame même de la fermeture d'Usinor, donc en 1979, avec 5000 ouvriers licenciés secs, je veux dire, on n'est plus habitué à des chiffres pareils, accuse l'entreprise et Giscard d'Estaing et Raymond Barre et tout le patronat et tout l'appareil des cadres d'Usinor d'assassiner le peuple, un crime signé Usinor. Au centre, le livre André Terray, Parole d'ouvrier, la condition du mineur par François Ewald. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est un livre écrit à deux mains par un mineur et par un intellectuel dont je vais reparler après. Et puis, ce livre de Juliette Mince, Le Nord, qui est une enquête faite par une femme, on va dire communiste, sociologue, et le livre est dédié à Simone de Beauvoir. C'est très amusant puisque Simone et Jean-Paul Sartre, bien sûr, étaient très sensibles à la condition des mineurs et Jean-Paul Sartre viendra voir les mineurs aussi à Lens. Alors, je m'attarde sur le livre du milieu puisqu'il associe la parole de l'ouvrier au discours de l'intellectuel. Or, ce François Ewald, eh bien, c'est tout simplement un ancien militant maoïste qui donc faisait partie de la gauche prolétarienne et qui n'était autre que l'assistant de Michel Foucault au Collège de France. Donc, la condition du mineur, c'est une analyse foucauldienne de la condition du mineur qui insiste bien évidemment sur la dimension concentrationnaire, etc., sur la violence du pouvoir technique, politique, sur le corps, bien évidemment, des mineurs. Et ce François Ewald était à l'époque, très amusant, jeune professeur de philosophie au lycée de Bruay en Artois, c'est-à-dire en terrain minier. Alors, en plus, après, il va devenir, vous voyez, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, et devenir conseiller du MEDEF. Mais bon, c'est un peu l'alliage, un peu peut-être paradoxal, mais assez courant entre le libéral et le libertaire. Enfin, un sujet de discussion que je laisse en suspens. Maintenant, présentement, l'histoire après coup, c'est-à-dire ce que l'on raconte maintenant que la catastrophe maintenant a bientôt 50 ans. Eh bien, il y a toujours une histoire officielle, malgré tout. Et elle est, en gros, le fait de la muséographie. Il y a une histoire savante, c'est celle de l'université, c'est celle que nous faisons aujourd'hui. Il y a l'histoire vernaculaire, car les autochtones continuent à publier des livres. Et puis, il y a ce que je vais appeler l'histoire artiste, qui est le fait de la littérature, du cinéma, de la photographie. J'en donne des exemples. Un livre écrit par un ancien mineur, aussi de Liévin, Jules Grard. Bon, Jules Grard est un mineur, donc il raconte sa vie. C'est un livre assez mélancolique, mais il n'y a pas de concept, si vous voulez, très très fort. Un livre universitaire, je mentionne le travail de Marion Fontaine, qui est maître de conférence en histoire, et qui a vraiment analysé les tenants et aboutissants de cette catastrophe de Liévin dans un livre qui est vraiment, qui répond à l'exigence universitaire, s'il y a un partial, et puis qui met en évidence tous les tiraillements, toutes les tensions politiques. Et puis un très beau roman écrit très récemment par Sorge Chalandon sur la catastrophe de Liévin. Je recommande la lecture de ces deux livres en parallèle, c'est très intéressant. Alors voilà, et quant à l'archéologie industrielle que je mentionne aussi, j'en parlerai un peu tout à l'heure, c'est quelque chose qui allie l'histoire vernaculaire, mais aussi l'histoire artiste, parce que les archéologues industriels sont souvent des autodidactes, ils obéissent à leur passion, et je pense qu'ils sont assez souvent artistes. Voilà. Alors, je mentionne maintenant le travail de Bruno Mattei, qui nous a quittés il y a un an, et c'était un ami, et lui, il a été l'un des protagonistes de toutes ces luttes politiques, et il a écrit deux livres sur le bassin minier. Il était militant maoïste aussi à cette époque, et voilà ce qu'il écrit dans ces deux livres, je synthétise son propos. « Cette mythologie a consisté à faire des mineurs des héros du travail, une avant-garde exemplaire pour toute la classe ouvrière, à l'occasion notamment des catastrophes où tout le monde allait répétant que les mineurs se sont sacrifiés pour la cause nationale de la houille, ce pain de l'industrie, tout comme les soldats de la Grande Guerre s'étaient sacrifiés pour la patrie, et l'on ajoutait que les mineurs aimaient tellement leur travail que ce sacrifice leur était comme naturel. » Mais la réalité était toute différente. Seulement, ni les patrons des compagnies, ni les élus politiques, quel que soit leur bord, ni paradoxalement les syndicats n'ont donné la parole aux mineurs pour mettre en cause cette mythologie meurtrière. J'en donne un tout petit exemple, c'est très insidieux. Voici par exemple dans les années 50 une publication de l'entreprise, puisque les houillères avaient des publications qui s'adressaient aux mineurs, un petit article tout à fait anodin,
Le grand cœur des mineurs. Alors, ce que montre Bruno, c'est que depuis le milieu du 19e siècle, la mine connaît des problèmes de recrutement, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à recruter de mineurs. Et personne ne veut faire ce métier qui consiste à s'enfouir pendant 10 heures par jour à 40 degrés à 800 mètres de profondeur, quoi. Donc, il y a un problème de recrutement. Donc, on va fabriquer une mythologie fabrique l'idée que les mineurs sont des gens qui aiment leur travail, qui sont généreux, qui sont courageux. Et donc, on va instiller dans l'esprit qu'ils sont des héros, si vous voulez. Alors, on leur donne un logement, on va leur donner après d'autres avantages et on fabrique cette mythologie. Donc, on fabrique donc une espèce d'histoire officielle. Donc, voilà ce que dit Bruno. En gros, l'histoire officielle se caractérise parce qu'elle ne dit pas, plus encore parce qu'elle ne pense même pas, en fait. Ça ne leur viendrait pas à l'idée, en fait. Deuxième élément de cette histoire officielle, elle naturalise les faits de telle sorte que l'on devrait plutôt parler de pseudo-ontologie officielle. Vous voyez, les mineurs sont généreux par nature, comme si on pouvait être généreux par nature. Voilà. Et puis, pour conclure très rapidement, l'histoire officielle est le récit des vainqueurs. Bon, là, c'est référence à Walter Benjamin, dont je reparlerai ensuite. Et l'histoire officielle est une fausse conscience pour, bien évidemment, enfin, en tout cas, cette sensibilité qui s'enracine dans une espèce de sensibilité où la figure de Marx est quand même très importante. Voilà. Donc, la question qui se pose maintenant, quelle est la place de la photographie dans ce paysage politique? Alors, je mets en exergue cette citation de Nietzsche. Il n'y a pas de phénomènes moraux, rien qu'une interprétation morale des phénomènes. Si on décline ça sur la question qui nous concerne, je pense que l'on peut dire qu'il n'y a pas de photographie politique, mais un usage politique de la photographie. Bon, s'il y a des explications, je les donnerai dans le cours des questions. Charles Baudelaire avait écrit au milieu du 19e siècle que la photographie soit l'humble servante des arts et des lettres. C'était une époque où on ne maîtrisait pas du tout la reproduction de la photographie. Or, à partir du moment où la photographie va devenir reproductible, elle va devenir l'humble servante de tout le monde, de l'administration, de la police, des médecins, et donc aussi, bien évidemment, des entreprises économiques et des entreprises industrielles. Et je mettrai en conclusion de ce triptyque cette phrase de Jean-Claude Lemagny, qui fut longtemps, nous savons, conservateur donc du cabinet des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale, qui disait « Je ne sais pas si la photographie est un art, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est un formidable moyen pour abrutir les gens. » Bon, c'est brutal, hein, c'est un peu dit sur le ton des tontons flingueurs, mais ça mérite d'être clair, et c'est vrai que la photographie va devenir, de manière très insidieuse, un vecteur idéologique d'une puissance fantastique, parce qu'on ne voit pas l'idéologie dans la photographie, comme on peut la voir dans les monuments que je vais vous présenter maintenant. Alors, quels sont les usages de la photographie? Ils sont très nombreux. À gros traits, on peut dire qu'il y a eu, à la Belle Époque, la carte postale. C'était vraiment tout à fait extraordinaire, l'usage de la carte postale à la Belle Époque, qui était le fait de petits éditeurs indépendants. Il y a ensuite, bien sûr, la presse illustrée qui se développe énormément après les années 20, avec le photojournalisme, mais toujours plus ou moins dépendant et positionné sur un échiquier politique, bien évidemment. Le Figaro, ce n'est pas l'Humanité, on est bien d'accord. Et il y a surtout, et c'est la plus grande part de la mémoire de l'archive industrielle, elle se trouve du côté de la photographie institutionnelle, c'est-à-dire les compagnies minières, je vais vous montrer des exemples après, ou l'État minier, si je puis dire, qui faisait des commandes à des photographes. Et puis, il y a encore un dernier aspect, ce sont les livres, avec là aussi des éditeurs et des auteurs indépendants. J'ai mis en face, vous avez vu, la couverture de livre qu'a consacré donc Rosaline Krauss au photographique, et ce livre comporte notamment un article absolument lumineux où Rosaline Krauss explique que la photographie, le sens de la photographie, dépend de l'espace discursif dans lequel elle s'insère. Et au fond, ça fait écho à la phrase de Nietzsche, c'est-à-dire que le sens de la photographie n'est pas dans l'image, il est dans le discours et dans le contexte de production et d'édition dans lequel cette photographie est produite. Et donc, on a ici à gauche, justement, des champs discursifs, et on peut dire qu'aujourd'hui, notre colloque est un champ discursif. Alors,
Si on revient à la catastrophe de Liévin, bah, quelles sont les images? Bah, essentiellement de la presse, on est en 1974. Et donc, voilà un peu trois images qui traînent dans la presse. Donc, les victimes, des photos des obsèques, hein, c'est toujours très spectaculaire. Et le fameux discours de Jacques Chirac, qui était à l'époque Premier ministre, puisque Valéry Giscard d'Estaing, qui est président de la République, n'a pas daigné se déplacer pour venir enterrer 42 mineurs. Les temps changent. Alors, je pense que l'on peut dire que la photographie ne dit rien. Je suis toujours très agacé quand on dit que les photos racontent des histoires. Non, les photographies ne racontent pas d'histoires. Elles donnent des éléments, des indices. Ce qui raconte des histoires, c'est le logos, c'est la parole. Donc, je dirais que la photographie ne dit rien, se satisfaisant de montrer à quoi ressemble photographiquement ce dont on parle. Cependant, elle n'en pense pas moins, et j'ai mis entre parenthèses parfois, parce que ce n'est pas toujours le cas, parce que souvent, la photographie est quand même un ensemble de servitudes et de routines impensées. Alors, pendant que je parle de cette catastrophe, voici une petite image un peu sortie de nulle part. En fait, si on voulait vraiment savoir ce qui s'est passé en 1974, quand 42 mineurs meurent, il faudrait demander à ce monsieur, vous voyez, il a une chemise à carreaux là. Ce monsieur, c'est Jean Latozzi. Jean Latozzi était mineur et il est allé ramasser les morceaux de ses camarades morts. Hein, c'est des morceaux, des corps démembrés et calcinés parce que un coup de grisou comme ça, c'est un grand coup de chalumeau dans un tunnel. Alors, voilà. Et donc, moi, je l'ai rencontré, je le connais. C'est à lui qu'il faut demander ce qui s'est passé. Il n'y a pas de photographie et je dirais, il n'y a même pas de récit. Il faut voir les acteurs, les témoins. Donc, ça serait Jean Latozzi, par exemple. Alors, je le mentionne parce que vous voyez, il est ici au musée du Louvre-Lens. Il est penché sur une petite maquette. C'est la maquette de la fosse 9, qui était l'ancienne fosse sur le site du musée du Louvre-Lens. Et c'est lui qui l'a faite. Il était électromécanicien et donc il avait aussi des talents pour faire des maquettes, des petits moteurs, etc. Et il est en compagnie de son ami Jean-Marie Minot, qui est aussi un de mes amis et qui m'a fourni l'essentiel des documents archivistiques que vous allez voir dans cette communication. Voilà. Et puis si on regarde Jacques Chirac, qui regrette encore, bien évidemment, qu'il y ait des morts, etc. Mais lui, il ne promet pas la production. Hein. Il semble dire que ça se termine et qu'on fera toute la lumière. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a sur la photo de droite, qui est aujourd'hui commercialisée par le Getty, regardez ce jeune homme-là, vous voyez. Et bien ça, c'est Jean-Pierre Cucheda qui va devenir maire de Liévin et qui va donc commander cette peinture murale où l'on voit en 1994 François Mitterrand faire ses adieux en quelque sorte à tous ses camarades socialistes. Bon, il est en fin de second mandat, il est malade, et il y a un congrès du Parti Socialiste à Liévin, et il vient dire au revoir à ses camarades et se recueillir 20 ans plus tard sur la tombe des mineurs qui sont morts en 1974 sous le règne, si je puis dire, de Valéry Giscard d'Estaing. Alors, cette peinture murale est dans l'hôtel de ville de Liévin et elle est d'une facture qui évoque pour nous un petit peu quand même le réalisme soviétique quand même. Alors, Jean-Pierre Cucheda fait élever 20 ans plus tard un nouveau monument sur un giratoire. Voilà. Voici le monument qui est éclairé la nuit. Voici le fameux puits de mine Saint-Amé de la fosse 3 des mines de Lens, mais qui se trouve sur la commune de Liévin, c'est un peu subtil. Et puis, la grande avenue qui traverse tout ça s'appelle l'avenue François Mitterrand, et elle s'appelle aussi la route du Louvre, et depuis qu'il y a ce projet du musée du Louvre, il y a aussi maintenant des statues qui évoquent la mythologie grecque et romaine. Récemment, le centre commercial qui se trouve toujours sur le site de la fosse 1 de Liévin, cette fois, a encastré dans sa devanture un chevalet. Donc, en fait, on a, si vous voulez, sur une zone très concentrée où il y a eu cette catastrophe, une espèce de, comment dirais-je, d'accumulation monumentaire assez exemplaire. Alors maintenant, que vient faire la photographie dans cette histoire? Bah, sur la catastrophe, on n'a que des images des gens qui pleurent et des gens qui attendent, bien évidemment, dans l'angoisse pour savoir si leur mari, leur frère, leur père est parmi les victimes. Alors, je m'excuse, je t'interromps. Oui.
il y a de l'écho. Il reste 2 minutes. Je suis désolée si je ne sais pas où tu en es de ton diaporama. Si tu peux rapidement voilà, aller au bout de ton propos, je te remercie. Bon, ça fait combien de temps que je parle ? 28 minutes. Ah bon, d'accord. Bon, bah je termine. Merci. Je termine. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la photographie fracture en fait les monuments. Elle permet de montrer ce que les monuments sont dans l'incapacité de montrer. Et donc, je passe sur Courrières. Je vais… 28 minutes déjà. Ouais. Ça va vraiment très, très vite. Donc, en fait, ma conclusion, c'est de dire que la photographie ne dit rien de précis. Elle permet d'accéder à l'histoire sur le mode de ce que j'appelle l'historicité à l'état atmosphérique, c'est-à-dire sur le plan, je dirais quasiment sentimental. Et la photographie est plutôt une étendue rêveuse, une image qui laisse à penser, mais qui ne donne pas les moyens politiques et cognitifs de savoir ce qui s'est passé. C'est une invitation à la rêverie. Et en fait, la photographie met du sentiment, mais il faut après d'autres outils, d'autres médiums, d'autres interventions pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Alors, les monuments, c'est la dalle funéraire. La photographie, c'est la porte ouverte sur la possibilité d'un travail de mémoire. Voilà. Merci beaucoup Didier pour cette présentation et désolée d'avoir dû t'interrompre, mais je pense qu'on a déjà pu observer et comprendre la matière dont tu disposes par rapport à ces questions. Moi, juste une remarque en passant, j'étais vraiment frappée par le travail de ces petits éditeurs de cartes postales indépendants dont tu disais qu'ils font le travail que ne fait pas la presse à ce moment-là, et donc même si tu parles de cette sentimentalité autour de la mine, il me semble qu'à certains moments, en tout cas dans ce travail des éditeurs, il y a des éléments factuels, d'histoire extrêmement intéressants et qui viennent pallier l'absence finalement de presse par rapport à ces drames. C'était juste une remarque, mais je vais laisser la parole. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat, mais dans la salle, en tout cas, s'il y a des réactions ou des questions. Oui. Alors, du coup, pendant que je parle, je montre quelques images, justement, des cartes postales dont tu parlais. Vous m'entendez ? Voilà. Oui, on t'entend, mais… En fait, j'avais juste une question qui fait écho à des choses dont on a déjà un peu parlé ce matin, mais c'est finalement le rapport qu'on peut faire entre ces photographies et quelque chose qui serait plutôt de l'ordre d'une histoire orale, en fait. Est-ce que ce serait de ce côté-là qu'il faudrait aller voir, en fait, prendre ces photographies comme des lieux, des objets dont il faut arriver à faire parler quelque part pour pouvoir reconstruire ces histoires et ces contre-histoires dont vous parlez. C'est une question sur ce rapport à l'oralité. Alors, certainement qu'il y avait beaucoup de propos oraux, mais aujourd'hui, tout ce qui nous reste, c'est des traces écrites. Donc, effectivement, ça causait beaucoup. Hein, vous imaginez bien. Maintenant, moi, je ne peux pas… à la limite, si on lit le roman, justement, de Georges Chalandon, donc, qui est un roman qui se passe à Liévin, eh bien, l'écrivain nous entraîne dans les bars où les gens parlent. Et il y a notamment des scènes dans un bar où les gens viennent boire un verre après longtemps après la catastrophe. Et il y a vraiment des fantômes. Et aujourd'hui, quand on rencontre encore des gens du bassin minier, des gens qui ont un certain âge, effectivement, je préférerais parler de fantômes, qui est aussi, au fond, une manière d'être pour l'histoire. Il y a l'histoire universitaire, il y a l'histoire par les images, il y a l'histoire muséographique, qui est quand même souvent très, très, très édulcorée. Et puis, il y a les fantômes de l'histoire dans les mémoires, mais c'est une mémoire qui se délite. En fait, la mémoire n'est pas un phénomène tellement conscient, mais souvent, moi, puisque j'ai beaucoup erré dans le bassin minier, j'ai rencontré des jeunes gens et je voulais justement raconter une histoire
Bon, c'était la fin de ma conclusion. Allez, je vais y aller très très vite parce que je voulais justement, puisqu'on parle de mémoire, Attendez, je vais sortir de mon diaporama pour aller à la fin. Je voulais finir sur une petite anecdote. C'est la suivante. Ça sera une manière de répondre à votre question. Voilà. Vous voyez, par exemple, ici, je traîne dans une friche industrielle il y a 3 ans. C'est l'une des dernières. Et c'était les anciens ateliers centraux de Lens. Et puis, je fais des photographies. Puis, vous voyez, je suis point par point sur une photo d'archive. Et puis, je suis dans cette salle et à l'horizon, j'aperçois 2 silhouettes. C'était 2 adolescentes de 14 ans. Incroyable. Alors, je vais les voir. Je me dis, qu'est-ce que vous faites là? C'est quand même très dangereux. Et elles me disent, on fait des photos. Je dis, ah bon? Et en fait, effectivement, elles m'ont raconté qu'elles aimaient bien l'ambiance, qu'elles faisaient des photos avec leur téléphone portable. En fait, elles faisaient ce qu'on appelle de l'urbex. Donc, voilà 2 gamines, en fait, qui avaient, par la magie du lieu et par le fait d'avoir un iPhone dans leur poche, enfin, en tout cas, un appareil de cet ordre, une sensation qu'il s'était passé quelque chose, alors que, bien évidemment, enfin, je ne prends pas grand risque en disant qu'elles ignoraient tout, en fait, certainement, de l'histoire minière. Et pourtant, elles avaient le souci de l'histoire. Elles sentaient que dans leur univers, il y avait un truc qui ne collait pas, quoi. Il manquait quelque chose. Et je pense que ces 2 adolescentes sont tout à fait disposées justement à accéder aux archives par la photographie, parce que la photographie peut leur donner le goût de l'histoire. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question, oui? Merci pour votre présentation. Je me demandais, en fait, vous catégorisiez les différents acteurs de cette production iconographique et je me demandais si vous aviez plus d'éléments peut-être sur les circulations des images entre, parce que du coup, je comprends bien que évidemment les éditeurs de cartes postales ne sont pas les producteurs d'images qui sont commandités par exemple par l'industrie, ni sont semblables aux journalistes, aux photojournalistes qui peuvent venir sur place. Est-ce que vous avez des éléments à la fois sur le passé, mais peut-être puisque vous intéressez beaucoup aussi aux questions mémorielles dans le présent, sur la façon dont ces images, parce qu'on a parlé pas mal ce matin de la façon dont les images pouvaient être, dont ils pouvaient finalement ressignifier l'image dans un contexte contemporain, et qu'est-ce que ça a la manière dont ça a interrogé la mémoire, et la manière dont parfois ça détourne aussi le sens de la production initiale des images. Est-ce que vous aviez des éléments peut-être sur ces circulations d'images, ces réactivations plus contemporaine des images, vous avez un petit peu évoqué l'industrielle ou de muséographie sur ces questions, mais voilà, je m'en décide. Alors, je réponds. Tout d'abord, en tout cas dans le bassin minier, il est clair que l'âge d'or de la carte postale, c'est la Belle Époque. La production est pléthorique, il y a plein de petits éditeurs dans une ville moyenne comme Douai, Lens, Valenciennes, il y avait plusieurs petits éditeurs et la carte postale, c'était l'Instagram de l'époque en fait. C'est-à-dire que pour un oui, pour un non, les gens s'envoyaient des cartes postales et quand on lit le dos des cartes postales, eh bien c'est du style on arrivera dimanche à midi, mes chers parents, je suis bien arrivé, je vais bien, on se reverra dimanche. C'est beaucoup d'anecdotes, il n'y a pas souvent de contenu vraiment. C'est plutôt, je dirais, la fonction fatigue de la communication, comme l'appellent les linguistes, c'est-à-dire écoute, je pense à toi, je suis là, je vais bien. Et donc, dans les grandes villes, il faut savoir qu'à la Belle Époque, le service postal, c'était 2 fois par jour. Il y avait la tournée du matin et la tournée de l'après-midi. Donc, si vous voulez, la carte postale est un vecteur très important de la communication à la Belle Époque. Et avec le développement de la presse imprimée, qui va surtout être très important avec la photographie après la Première Guerre mondiale, ce médium très populaire va entrer en déclin. Et on le voit, la production de cartes postales après la Première Guerre mondiale est tout de suite moins intéressante, moins importante, et elle devient très anecdotique après la Seconde Guerre mondiale. Donc la carte postale, en l'absence de presse, en l'absence de téléphone, était vraiment un médium de communication, et enfin, de manière un peu ironique, c'est pour ça que je dis que c'est un peu l'Instagram de l'époque. Bon, maintenant, aujourd'hui, ces cartes postales sont collectionnées. Il y a un site qui fait référence sur Internet, c'est Delcamp, et on s'aperçoit qu'elle se monnaie à un prix assez important en fonction de ce qu'elle représente. Mais une carte postale où on voit des gens regarder le photographe,
quand la photo est bien faite et que le décor est superbe et qu'on voit bien la tête des gens, ça se négocie autour de 40-50 euros. Voilà ce que je peux dire. Et donc aujourd'hui, il y a des bourses de collectionneurs. Et puis bon, bah, moi je suis un collectionneur, on y laisse une partie de son budget quand même. Et puis après, il y a différentes techniques, différents éditeurs qu'on repère. On repère aussi des photographes. Alors très souvent, d'ailleurs, c'est amusant, le photographe est sur la photographie en fait. Parce qu'en fait, dans une même ville, quand il en fait plusieurs, il pose le pied et puis dit à quelqu'un de faire la photo. Et pour le photographe, être dans la photographie, c'est une manière de signer, si vous voulez, sa photographie.